La campagne électorale s'est déroulée dans un climat apaisé sur l'ensemble du territoire de Kasenga. Motif de satisfaction pour l'administrateur du territoire adjoint en charge de l'administration, Maggie Kayombo, agissant en nom de son titulaire empêché. La campagne électorale s'est déroulée dans un climat très apaisé. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Tel a été l'appel du gouvernement central par rapport à toutes les entités, que ce soit territoriales ou des entités décentralisées et concentrées. Tous les candidats députés sur Kasenga ont pu battre campagne avec toute quiétude et sans problème. Et donc nous demandons à tous citoyens de Kasenga, en tant qu'administrateur de territoire adjoint, représentant le gouvernement ici, que tous citoyens puissent aller voter. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante, tout est fin prêt, rassure un haut cadre de la CENI, antenne de Kasenga qui a requis l'anonymat. Le déploiement est fait à 95%. Quelques fiches d'électeurs en cours d'acheminement vont parvenir à destination dans la soirée de ce 19 décembre 2023, a-t-il indiqué. Dans quelques centres disséminés à travers les quatre secteurs, Kafira, Pakunda, Kisamamba, Lopula, des kits électoraux sont déjà déployés, notamment à Mwabu, Lupembe, Lukafu, Kole, Kiba, Ngando, Kampolo, pour ne citer que ces centres. Les agents de la Commission électorale nationale indépendante procèdent au dernier réglage pour l'ouverture des bureaux de vote de 6h à 17h.